il peut y avoir des personnes qui ont des mains sèches et qui momentanément ont des mains moites. En revanche, les personnes qui ont des mains moites tout le temps de manière génétique, ça va donner l'indication que les émotions, l'affectivité gouvernent la pensée. Alors que les personnes qui ont des mains sèches, la pensée gouverne les émotions. Donc il y a plus de chances de séduire le cœur d'une personne par sa tête si elle a des mains sèches et de séduire la tête d'une personne par son cœur si elle a des mains moites. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, une heure pour parler de santé et de bien-être sur Beurre FM tous les matins jusqu'à 10h. Et mon invité aujourd'hui s'appelle Jean Debony. Bonjour Jean. Bonjour Philippe. Vous êtes manutipologue. Exactement. J'en connais pas beaucoup, hein. J'en ai jamais reçu des manutipologues encore jusqu'à présent. Vous avez créé la biotypologie, qui est une méthode d'évaluation du potentiel inné. Et vous publiez aujourd'hui « Vos mains disent tout de vous ». Alors, la manutipologie, qu'est-ce que c'est précisément ? D'abord, c'est une partie de la biotypologie et c'est une classification sur des critères biologiques à partir de tout ce qui est génétique dans les mains pour définir vos aptitudes naturelles et vos aspirations innées. D'accord. Et quand vous dites la biotypologie, Dans le mot bio, il y a biologie. Oui. Typologie, c'est une classification. Donc, c'est une classification sur les critères biologiques et ma spécialité, ce sont les mains. Donc, c'est une méthode d'évaluation. Oui. D'accord. Alors, ça ne permet pas d'évaluer le QI, par exemple, de quelqu'un ? Absolument pas. Qu'on ait un QI de 50 ou de 150, les mains seront strictement pareilles. En revanche, l'analyse des mains permet de comprendre si l'analyse vous est naturelle, ou plutôt la synthèse, si vous préférez comprendre avant d'agir ou agir avant de comprendre. Voilà, c'est plutôt ces process intellectuels qui vont être identifiés à partir du moment où ils sont génétique, donc des prédispositions naturelles à. On peut cerner la forme d'intelligence innée de la personne, par exemple. Oui, il y a des personnes qui, naturellement, s'attachent aux détails, et d'autres personnes ont une vision globale instantanée, parfois intuitive, parfois non, mais en tout cas, c'est vraiment une nature personnelle de chacun d'être plutôt analytique ou synthétique par nature. Alors évidemment, l'école et les études peuvent vous apprendre à compenser et à acquérir le complément, c'est-à-dire à devenir synthétique si vous êtes analytique, ou à devenir analytique si vous êtes synthétique. Mais ce n'est pas toujours une bonne idée de compenser des points faibles. Il vaut mieux miser sur des points forts et les développer. Alors, la manutipologie, c'est une science humaine de l'observation qui est basée sur votre propre observation de combien de mains avez-vous observé pour créer votre méthode. Eh bien, écoutez, j'ai commencé en 1980. Donc, il y a plus de 30 000 paires de mains qui ont été analysées. Qui sont passées entre vos mains. Qui sont passées entre mes mains, qui ont été auscultées. Mmh. Et puis, j'ai modélisé les constats statistiques que cela générait pour en faire une méthode transmissible, logique et surtout universelle. Mmh. Et ça, c'est l'observation des mains. À noter que les mains, vous les prenez en photo. Alors, je les prends en photo et également, je fais des empreintes de mains. Oui. Parce qu'il y a certaines photos qui ne permettent pas de voir tous les détails. Et donc, quand on veut s'intéresser aux palmoglyphes et aux digitaloglyphes... Aux digitaloglyphes, ce sont les empreintes digitales. Et les palmoglyphes, ce sont les dessins de la peau dans la paume. Et donc, si on veut bien les identifier, faire les empreintes des mains en entier sur une feuille permet d'identifier ces détails-là, au-delà des plis palmaires que sont ce qu'on appelle les lignes. Voilà, les plis palmaires, ce sont les plis de la... De la paume. De la paume de la main. Pour ceux qui nous écoutent et qui prennent l'émission en cours, vous ne lisez pas l'avenir des gens en regardant la paume de leur main. Hein. J'en suis incapable. D'abord, pour faire de la chiromancie, mancie veut dire divinatoire, il faut avoir un don de voyance. D'abord, je ne l'ai pas. Puis ensuite, je suis philosophiquement contre. Parce que l'avenir n'est pas à deviner, il est à construire. Donc, avec la manutipologie, j'aide les personnes à comprendre les moyens dont ils disposent pour construire l'avenir et non pas, je ne les aide pas à deviner l'avenir parce que j'en suis incapable et pour moi ça n'est pas constructif. Alors Jean Debony, il y a beaucoup d'idées reçues qui circulent sur les personnes qui ont les mains moites. Notamment on dit que ce sont des personnes qui sont mal dans leur peau. Alors déjà, comment vous appelez ça la moiteur. La moiteur, oui. Oui. L'hygrométrie. L'hygrométrie d'une main, déjà. Oui. Par contre, ça, c'est un élément dont vous vous servez. Absolument. J'observe d'abord deux choses.
c'est qu'il peut y avoir des personnes qui ont des mains sèches et qui momentanément ont des mains moites. Et là, tout le monde peut avoir des mains moites momentanément. En revanche, les personnes qui ont des mains moites tout le temps de manière génétique, ça va donner l'indication que les émotions, l'affectivité gouvernent la pensée. Alors que les personnes qui ont des mains sèches, la pensée gouverne les émotions. Donc il y a plus de chances de séduire le cœur d'une personne par sa tête si elle a des mains sèches, et de séduire la tête d'une personne par son cœur si elle a des mains moites. Mmh. Par ailleurs, les mains moites ont le sens du court terme, et les mains sèches ont le sens du long terme. Je vous donne un exemple très simple. Les entrepreneurs ont souvent des mains chaudes. Eh bien, lorsqu'ils ont des mains chaudes et moites, ils ont une stratégie champ de blé, c'est-à-dire je plante et je récolte. Alors que s'ils ont des mains sèches, chaudes et sèches, ils vont avoir une stratégie arbre fruitier, je plante, j'arrose, j'attends que ça fasse des racines, et dans 2, 3, 5 ou 10 ans, j'aurai des fruits. Donc vous voyez, il y a le long terme avec les mains chaudes et sèches, et le court terme avec les mains chaudes et humides. Il y a un élément qu'on n'a pas encore introduit, c'est celui de la température des mains. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont des mains froides et des gens qui ont des mains chaudes. Absolument, il y a 10 degrés d'écart entre les mains les plus froides. Alors, je ne parle pas de la canicule, hein, ça c'est autre chose. Mais en situation normale, même quand il fait froid, certaines personnes ont des mains à 35 degrés. Et même quand il fait chaud, certaines personnes ont des mains à 25 degrés. Alors moi, Jean de Bonny, quand j'ai lu ça dans votre livre, je me suis dit, mais ce n'est pas une question de circulation du sang dans les extrémités ? Alors, effectivement, ça joue, parce que la nature a prévu que les veines des femmes soient plus fines que les veines des hommes. Donc le sang a plus de mal à aller aux extrémités pour que le sang reste au centre du corps pour la gestation. Mais en revanche, quand vous savez que deux tiers des femmes ont des mains chaudes, froides, excusez-moi, deux tiers des femmes ont des mains froides, et que deux tiers des hommes ont des mains chaudes, et qu'en revanche 90% des personnes qui entreprennent ont des mains chaudes, vous considérez qu'avoir des mains chaudes peut vous pousser à entreprendre et à créer votre autonomie. Et inversement, on s'aperçoit que les personnes qui ont des mains froides peuvent aimer la liberté, mais n'ont aucune envie d'avoir du pouvoir, parce qu'elles ont compris que plus elles auraient de pouvoir, moins elles auraient de liberté. D'accord. Je vais revenir sur les mains moites, parce qu'il y a énormément d'idées reçues sur les mains moites, surtout quand, avant le Covid, on serrait la main des personnes qui avaient des mains moites. Souvent, on disait aussi que ça pouvait être synonyme de stress, et qu'en situation de stress, eh bien, les gens se mettaient à transpirer des mains. Vrai ou pas vrai ? Alors, le stress peut générer des mains moites, mais l'inverse est faux, et même plutôt faux, parce que, par exemple, les personnes qui ont des mains chaudes et moites sont souvent très insouciantes, parce qu'elles ont la mentalité d'un enfant de 5 ans, et donc elles ont un optimisme et un esprit de découverte qui les rend absolument pas pessimistes et pas du tout stressées. Mmh. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut bien se dire, c'est que toute personne qui est stressée peut avoir des mains moites, mais toute personne qui a des mains moites n'est pas forcément stressée, et souvent bien au contraire. Tout ce dont vous nous parlez, ces observations sur les mains moites, les mains sèches et sur la température des mains, vous les tirez d'où ces conclusions ? Eh bien, c'est une approche empirique, à la fois inductive ou déductive. Mmh. Et je vous donne un exemple très simple. Sur le théâtre de Chaillot figure une phrase de Paul Valéry qui parle des mains des artistes. Et cette phrase dit que la main de l'artiste est égale et rivale de sa pensée, l'une n'est rien sans l'autre. Et je me suis dit, si j'analyse les mains des artistes, je saurai comment ils pensent. Pas ce à quoi ils pensent, mais comment ils pensent. Et donc j'ai commencé à faire des empreintes de mains d'artistes, et je me suis aperçu que des artistes comme Charles Aznavour, par exemple, avaient des mains chaudes et géraient leur talent eux-mêmes. Mais que des artistes comme Céline Dion, qui ont des mains froides, eh bien elles ont besoin d'un agent, elles ont besoin d'un manager. C'est-à-dire que vous avez serré la main de Céline ? Oui, oui, non seulement... Vous n'avez pas fait la bise ? Je ne lui ai pas fait la bise, mais je lui ai serré la main, et j'ai même noirci ses mains pour publier ses empreintes dans un livre qui est paru au Québec avec 60 mains célèbres du Québec. Avec Gilles Vigneault également, et puis des ministres, des animateurs télé. Mmh. Et donc on s'aperçoit que même si on a des artistes qui ont du talent, eh bien s'ils ont des mains chaudes, ils arrivent mieux à se gérer, à créer leur autonomie, et que s'ils ont des mains froides, ils veulent juste se consacrer à leur art et faire gérer par d'autres,
leur trajectoire et leur talent. C'est quoi pour vous des mains parfaites ? Je suis désolé, Philippe, les mains parfaites n'existent pas. Il n'y a que des situations où votre main est en adéquation avec le contexte. Par exemple, si vous êtes chef d'entreprise et que vous voulez garder un ou une secrétaire pendant 30 ans, recrutez cette personne avec des mains froides et humides, parce que cette personne aime la continuité, aime la routine, n'aime pas prendre l'initiative et fera exactement ce que vous lui avez demandé. En revanche, si vous recrutez une secrétaire qui a des mains chaudes et moites, au bout de 2 mois, elle vous dira « j'ai fait le tour de la question, j'aimerais bien faire autre chose ». Et si vous ne lui proposez pas autre chose, elle partira. Donc vous voyez, il n'y a pas de main parfaite, il n'y a que des situations parfaites pour des gens qui sont en adéquation avec ces situations-là. Mmh. Et dans certains cas, les gens voudraient croire qu'il suffit de vouloir pour devenir ce qu'on veut, mais non. Ça, c'est la grande mode d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est la grande mode, c'est tout ce qu'on lit dans les journaux sur la psychologie. Psychologie positive, donc il suffit de le vouloir pour le faire. Le mindset, le fameux mindset, le bon timing, etc. Mais il y a aussi le talent personnel. Et donc, si vous n'êtes pas en adéquation avec vous-même, vous ne pouvez pas faire des projets qui vont vous épanouir. C'est donc l'inné, on est d'accord? Oui. Je précise même que c'est l'inné génétique. Et ça n'est pas un pléonasme, parce qu'il y a de l'inné non génétique. On verra les deux innés que vous distinguez tout à l'heure pour que les gens comprennent bien. La méthode dont vous nous parlez ce matin, vous la mettez au service des entreprises, notamment dans des situations de recrutement. Oui. Ce que vous nous avez donné comme exemple sur les secrétaires, ce sont des indications que vous donnez à des recruteurs qui ont besoin d'informations complémentaires pour faire leur choix. Voilà, on peut, avec cette méthode, valider des recrutements. Par exemple, quand il y a une shortlist de 3-4 personnes qui ont été sélectionnées, ou même en amont, choisir plutôt des personnes qui ont tel type de main par rapport à telle problématique. Par exemple, si vous vendez des services où il faut qu'il y ait une analyse très fouillée des besoins du client, eh bien, il y a certains types d'empreintes digitales, certains nombres de lignes de plis dans la paume qui vont être nécessaires pour que vous soyez vraiment en harmonie avec le projet. Voilà, j'ai invité Jean Debony ce matin. Il est manutypologue, il est créateur de la biotypologie et il publie un livre qui s'appelle « Vos mains disent tout de vous ». D'ailleurs, ce matin, quand je l'ai reçu, je ne lui ai pas tendu ma main. Absolument. J'ai bien fait exprès. J'ai gardé mon poing fermé. Oui. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Vous gardez un peu de secret. J'avais la main moite et froide. Ça m'étonnerait. Non, elle était chaude. Elle était chaude. Je me rappelle d'une soirée passionnante qu'on avait passée avec vous, où tout le monde vous montrait ses mains et tout le monde voulait justement comprendre comment fonctionnaient les empreintes digitales, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les empreintes. Mais on ne va pas parler des empreintes digitales aujourd'hui. On va surtout parler de l'observation des mains et de ce que ces mains révèlent de nous et quels sont les critères à identifier pour établir le profil d'une personne à partir de caractéristiques génétiques de ses mains. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle les caractéristiques génétiques d'une main ? Alors d'abord, il y a des critères tactiles, la chaleur, la moiteur, l'épaisseur de la peau dans la paume, la douceur, la souplesse. Puis ensuite, des critères visuels qui sont des proportions, la largeur de la paume, la longueur des doigts, la forme des ongles, le nombre de plis dans la paume, ainsi que leur profondeur. Et puis ensuite, l'entrecroisement des doigts, comment vous entrecroisez vos doigts, index droit sur gauche ou index gauche sur droit. Et puis pour finir, les empreintes digitales. Bien. Tout ça, c'est fixé à la naissance ou ça évolue au cours de la vie? Alors, par exemple, si on prend les lignes de la main, ce n'est pas des rides les lignes qu'on a dans la main? Absolument. Ce n'est pas les mains qui se... Non. Tout est marqué à 3 mois de la conception dans le ventre de la mère. Donc ça n'évolue plus? Ça n'évolue plus. Mmh. Alors leur profondeur peut s'accroître un petit peu, mais en tout cas le dessin n'évolue plus et leur nombre n'est pas lié à l'âge. Alors après, quand on parlait de la douceur des mains tout à l'heure, pour tous ceux qui font des métiers manuels ou des métiers à répétition, on peut avoir de la corne, ou on peut avoir la peau des mains qui s'épaississe. Eh bien justement, la peau s'épaissit quand elle est épaisse. Et la peau va faire des cloques quand elle est fine. Mmh. Or, il se trouve que les personnes qui ont des peaux épaisses aiment bien être confrontées à la matière, à ce qui se voit, à ce qui se touche. Et les personnes qui ont des peaux fines préfèrent être confrontées aux concepts, aux idées. Donc il y aura assez peu de personnes dans les métiers manuels avec des peaux fines. C'est QFD. Vous avez parlé à l'instant de la longueur des doigts. Quels doigts prenez-vous en compte? Alors,
tous les doigts ou c'est Alors d'abord. Alors non, ça, non, alors non, non, non. Je fais attention à ce que je dis, oui. Mais parce que vous prenez pas en compte tous les doigts. Alors je prends en compte tous les doigts pour les empreintes digitales, mais en revanche pour leur longueur, oui. C'est une proportion du majeur par rapport à la longueur de la paume. Et en revanche, il y a également des questions de comparaison entre l'index et l'annulaire en lien avec la testostérone. Mais ça, j'en parle pas dans le livre parce que... Non, ça, j'ai pas vu, mais c'est pas parce que vous n'en parlez pas que c'est pas intéressant. Mais c'est en complément. Ouais. Ce que les personnes doivent savoir, c'est que l'annulaire est plus long chez la majorité des hommes et que l'index est plus long chez la majorité des femmes. Parce que l'index est en lien avec les œstrogènes et l'annulaire est en lien avec la testostérone. Mmh. Qu'est-ce qui va déterminer le nombre de lignes qu'on a dans une main? Vous savez? Oui. Alors, au minimum, vous avez 3 plis ou 3 lignes dans la paume. Alors, il y a une ligne ou un pli qui fait le tour du pouce, que la tradition chiromancienne appelle bêtement la ligne de vie. Et la ligne de vie n'existe pas, parce que la longueur de la vie n'est pas marquée dans la main. Et puis il y a une deuxième ligne ou un deuxième pli qui traverse la paume en partant du même endroit, qui a un lien avec la cérébralité. Et puis une troisième ligne ou un troisième pli qui traverse la paume en partant du bord de la paume, qui est à peu près sous les doigts, et qui va indiquer comment est votre affectivité. Et donc finalement, ces 3 plis ou 3 lignes correspondent aux 3 besoins essentiels, vivre, connaître, aimer. Mmh. Et donc, de ce fait-là, effectivement, au minimum, vous avez ces 3 lignes-là. Mais après, il y a des lignes secondaires. Et si vous avez un nombre de lignes secondaires très élevé, on va dire qu'il y a beaucoup de lignes ou beaucoup de plis. Et puis, s'il n'y a que ces 3 lignes-là, on va dire que vous en avez très peu. Pardon de vous poser la question, mais est-ce que les mains sont symétriques, en fait? C'est-à-dire qu'on a la même chose à l'envers avec les 2 mains? Eh bien non, c'est une très bonne question, parce que la main gauche, qu'on soit gaucher ou droitier, va indiquer comment vous préparez l'action, et la main droite, comment vous la mettez en œuvre. Donc on pourrait dire que la main gauche, c'est l'architecte, et la main droite, c'est le maçon. Et vous pouvez être, par exemple, prudent en idée et impulsif en réalisation, ou l'inverse. Vous pouvez être un perfectionniste en idée et pas en action, ou l'inverse. Et donc, si les mains ne sont pas symétriques pour une personne, ben on verra que c'est 2 personnes différentes quand elle prépare et quand elle agit, et si les mains sont symétriques, c'est qu'elle est cohérente entre sa manière de préparer et sa manière d'agir. Et pour les ongles, donc, puisque tout le monde est en train de déplier ses mains là, et pour les ongles, alors à quoi faites-vous attention? À quoi? La taille des ongles, la largeur des ongles? C'est toujours une question de proportion, deux critères, la largeur et la longueur. Alors je parle de la longueur qui touche la peau, évidemment la partie qui est au-delà de la peau ne m'intéresse pas. Mais globalement, ce que les auditeurs doivent retenir, c'est que la main, les ongles larges correspondent souvent à des paumes larges, et les ongles longs correspondent souvent à des mains longues. Et donc, plus la main est longue, plus on prend de la hauteur. Plus les ongles sont longs, plus on prend de la hauteur. Plus les ongles sont larges, plus on a de solidité et d'assise pour porter les autres. Donc, les personnes qui managent ont souvent des ongles plus larges que ceux qui ne managent pas, ou en tout cas qui n'aiment pas manager. D'accord. Je me suis fait cette réflexion, alors je ne sais pas si que vous pouvez en tirer, vous Jean, c'est que les gens de pouvoir que j'ai rencontrés, j'ai observé qu'elles avaient des mains carrées. Oui. Et est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez observé? Oui, absolument. Et comment ça s'explique? C'est moi, ce que j'appelle les mains carrées, avec vraiment les doigts carrés et vraiment les ongles, hein, vous parlez des ongles très... Très larges. Oui, très larges. Carrés, oui. Et c'est ce que j'avais observé d'ailleurs il y a 40 ans quand j'avais fait une conférence dans un congrès de chirurgiens de la main. J'étais assez frappé de voir qu'ils avaient tous des mains très carrées, très larges, et que par conséquent la finesse des mains qu'on pourrait attendre de quelqu'un qui fait quelque chose de très minutieux était une idée reçue aussi bête que de penser que tous les pianistes ont des doigts longs. Regardez les mains de votre patron, vous verrez, ça vous dira. Et en fait, la largeur de la paume, c'est une question de solidité pour porter les autres. Et si j'ai une paume étroite, je ne peux me porter que moi-même. Et ça n'est pas de l'égoïsme. C'est simplement que je n'ai pas la solidité pour porter les autres. Mmh. Alors après, il y a des paumes larges et carrées qui donnent un côté pragmatique. Et puis les paumes larges et arrondies qui donnent un côté plus affectif. Donc les managers qui ont des paumes arrondies, c'est qui même me suivent. Ceux qui ont des paumes carrées, c'est moi le chef.
S'ils ont une cravate rouge en plus, il n'y a pas de commentaire. Après, ils disent, c'est moi la République. Ou c'est moi le chef. Alors, vous avez parlé, et là tout le monde a réagi, de la façon qu'on avait de croiser les doigts. Alors, j'imagine que personne ne réfléchit à la façon dont, qu'il a de croiser des doigts. Déjà, cette façon dont on croise les doigts, d'où elle vient ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a observé chez ses parents ? Est-ce que c'est, voyez, c'est... Alors, c'est génétique. C'est purement génétique. D'ailleurs, si c'était quelque chose qu'on avait observé chez ses parents, probablement qu'on le ferait à l'inverse de ses parents. Oui, parce que, puisqu'on a observé. D'accord. Parce que le fait d'observer, on le ferait en miroir. Ouais. Et finalement, c'est ce que me disait une Chinoise hier. Elle me disait, j'ai appris à utiliser les baguettes en miroir par rapport à ma mère. Donc effectivement, si c'est un mimétisme, c'est probablement un miroir. Non, c'est génétique. Et donc vos gènes ont décidé que vous entrecroiseriez vos doigts index droit sur gauche ou index gauche sur droit. Pour les auditeurs qui ne sont pas très visuels, c'est comme si vous tourniez les pouces et puis vous regardez quel est l'index qui est le plus haut par rapport aux autres. Voilà, donc c'est soit l'index qui est gauche qui est sur le droit, et généralement ce sont des personnes plutôt intuitives, soit c'est l'index droit sur le gauche, et ce sont des personnes plutôt rationnelles, parce que la main droite est reliée au cerveau gauche, et la main gauche au cerveau droit. Et donc statistiquement, on s'aperçoit que 2/3 des femmes sont index gauche sur droit, et que 2/3 des hommes sont index droit sur gauche. Sauf les hommes politiques et sauf les dirigeants d'entreprise, parce que les dirigeants d'entreprise et les hommes politiques entrecroisent les doigts, comme la majorité des femmes, à 90%. Et les femmes politiques et les dirigeantes politiques et les dirigeantes d'entreprise entrecroisent à droite, comme la majorité des hommes. Alors les gens me disent, ah ben c'est normal, les femmes qui dirigent, ce sont des mecs. Alors je dis, mais alors attendez, ça veut dire que les hommes qui dirigent, ce sont des femmes. Donc votre raisonnement ne tient pas la route. C'est simplement qu'un homme qui croise comme une femme préfère lever le doute par l'action, et pour prendre le pouvoir, ben c'est plutôt un avantage, et qu'une femme qui entrecroise les doigts comme la majorité des hommes, c'est une femme qui contrôle ses émotions, et elle sera moins vulnérable pour prendre le pouvoir que les femmes qui croisent comme la majorité des femmes. On a tous, hein, pour ceux qui étaient nés à l'époque, le souvenir de la façon dont le président François Mitterrand croisait les mains. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence. Ah oui, oui, très bien. Hein, parce qu'il avait une façon de croiser les mains qui était très particulière. Oui, c'était un geste construit, et il disait « je crois aux forces de l'esprit ». Et donc il pensait à l'au-delà, et qu'il nous ferait coucou de l'au-delà quand il y serait. Mais effectivement, il avait la main gauche à plat, et il entrecroisait les doigts. Il les met par-dessus. Il les mettait par-dessus. Et effectivement... J'ai vu très peu de gens refaire ce geste-là, de cette façon-là. Oui, oui. Je crois que si on montrait une photo aux gens avec ce geste-là, tout le monde dirait « Ah oui, c'est Mitterrand ». Oui. En tout cas, ceux de ma génération, parce qu'évidemment, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui... Donc, ce qui veut dire que si c'est un geste construit, ça veut dire qu'on peut construire et contrôler la façon dont on croiserait ses mains, peut-être, aujourd'hui. Ou ça n'aurait pas de sens. Alors, ça n'aurait pas de sens parce que si vous interrogez les personnes en leur disant « entrecroisez les doigts à l'inverse de ce que vous faites d'habitude et dites-nous ce que vous ressentez », dans la plupart des cas, les gens disent « ah non, c'est pas naturel, j'ai l'impression d'être à l'envers ». Dans certains cas, les gens disent « c'est insupportable » et ils décroisent tout de suite. D'accord. Ouais. Mais dans le cas de Mitterrand, c'est différent parce que le geste qu'il faisait n'est absolument pas naturel, il n'a rien de génétique. Et il restait très longtemps comme ça. C'est pour ça qu'on peut-être que ça a imprimé dans notre mémoire. Oui, mais c'est très différent. Et d'ailleurs, c'est très différent des autres gestes qui sont latéralisés, puisque le croisement des doigts est le seul geste latéralisé qui ne soit pas droitier-gaucher. Si vous applaudissez, il y a des chances, si vous êtes droitier, que ce soit votre main droite qui tape votre main gauche. Si vous croisez les bras, il y a des chances que ce soit votre bras gauche qui soit au-dessus de votre bras droit. Il y a l'œil directeur droit, il y a les gens qui tiennent leur fourchette de la main gauche ou de la main droite. Tout ça est lié au fait d'être droitier ou gaucher, mais le croisement des doigts est la seule exception de tous les gestes latéralisés. Alors, il y a beaucoup d'informations, vous pourrez écouter l'émission en podcast, voilà, vous pourrez revenir comme ça, vous pourrez vous arrêter sur toutes les informations que nous propose ce matin mon invité Jean Debony. Je rappelle que vous êtes manutipologue, vous googlez sur Beurre FM, vous avez déposé la marque ? Oui. Hein ? Voilà, donc c'est vous. Et vous publiez donc « Vos mains disent tout de vous ».
découvrez votre personnalité innée grâce à la manutypologie. Voilà, je l'ai dit. Il existe donc deux personnalités innées. Oui. C'est ça. Donc, une génétique, vous nous avez dit. Oui, une génétique qui est définitive. Mmh. Et une qui est innée, non génétique, qui est la conscience. Et donc, qui existe dès la conception, mais qui va évoluer, puisqu'elle n'est pas génétique, et qui n'est pas soumise aux lois de la biologie. Et les jumeaux homozygotes, monozygotes, sont l'exemple même. Alors, monozygotes, c'est lesquels les jumeaux ? Ce sont ceux qui sont identiques. Ils sont le clone l'un de l'autre, donc ils sont génétiquement les mêmes, mais ils ont quand même deux personnalités différentes, puisqu'ils ont deux consciences différentes qui sont innées, mais non génétiques. Donc, la conscience n'est pas clonable, mais le tempérament est clonable. Et quand on observe les mains de ces jumeaux monozygotes, eh bien, on voit énormément de différences, de ressemblances, ouais, parce qu'ils ont le même tempérament. Mais la gestation va ajouter quelques détails qui va faire que même la police est capable de différencier des jumeaux monozygotes par leurs empreintes digitales. Alors, on oppose souvent l'inné de l'acquis. Oui. C'est quoi la différence ? Alors justement, cette dichotomie entre inné et acquis n'est pas suffisante, puisque vous avez votre tempérament qui est inné génétique, définitif, votre caractère qui est acquis, évolutif, et puis votre conscience qui est à la fois innée et acquise, mais qui est non génétique. Alors pour simplifier les choses, imaginons un taxi, vous montez dans un taxi, la voiture du taxi c'est le tempérament, et vous ne pouvez pas éduquer la voiture. Mais vous pouvez éduquer le chauffeur du taxi c'est le caractère. Et puis le client du taxi c'est la conscience. Et la conscience elle sait où elle veut aller, mais c'est pas elle qui tient le volant. Elle est tributaire du chauffeur, c'est-à-dire du caractère, qui lui tient le volant. Et puis le chauffeur lui il est tributaire de la voiture, par rapport à des capacités. Et donc parfois avec une deux chevaux on peut aller là où une Jaguar ne peut pas aller. Et donc quand vous disiez tout à l'heure est-ce qu'il y a de bonnes mains, bah parfois... Une deux chevaux est mieux qu'une Jaguar, bah parfois avec certains types de mains, vous allez réussir des choses que d'autres ne réussissent pas. Finalement, ça dépend où on va. Ça dépend quel objectif on a. Quel est l'objectif ? Exactement. Alors, cet outil, vous pouvez l'utiliser dans quel type de situation ? Alors, d'abord dans des bilans de compétences, pour aider les personnes à comprendre le mode d'emploi de leur personnalité. Parce que finalement, vous l'avez compris, se connaître, c'est bien, mais se comprendre, c'est mieux. Et donc, souvent, les gens se connaissent, mais ils ne se comprennent pas. Ils n'ont pas le mode d'emploi de leur personnalité. Si je dis leur personnalité innée. De leur personnalité en général et de leur personnalité innée, en l'occurrence, grâce à la manutypologie. Donc, si je dis à une personne, êtes-vous impulsive, elle peut dire oui ou non. Si je vous dis, pourquoi êtes-vous impulsive, grand silence. Et donc, les gens ne savent pas si c'est inné, si c'est acquis, s'ils le sont devenus, si c'est la vie qui les a forcés à devenir comme ça. Et donc là, on est sûr, en analysant leurs mains, de savoir si c'est inné ou si ça ne l'est pas. Ensuite, ça sert pour des entreprises, pour valider des recrutements, et aussi animer des ateliers de cohésion d'équipe qui désamorcent le communautarisme. Par exemple, je suis intervenu dans le groupe Accor, et dans le groupe Accor, bah, vous savez, dans l'hôtellerie, c'est un véritable melting pot, c'est multiculturel, multiethnique, et quand le directeur restauration n'est pas de la même ethnie ou de la même culture que le directeur hébergement, ils pensent qu'ils ne voient pas le monde de la même manière. Puis quand vous leur indiquez que s'ils ont une empreinte digitale en forme de spirale, ils sont tous les deux perfectionnistes par amour propre et qu'ils ne supportent pas d'être pris en défaut, d'être inefficaces, ce qui les rapproche devient plus fort que ce qui les sépare. Là, vous avez perdu tout le monde puisqu'on vient d'introduire la notion des empreintes digitales qu'on n'avait pas encore tout à fait abordées. Ah, c'est vrai. Vous voyez, mais c'est bien, c'est bien. Parce que vous aussi, vous vous intéressez aux empreintes digitales. Et en gros, il y a combien de types différents d'empreintes digitales ? 5. Il y a 5 familles. Alors, ceux qui sont très très loin devant les autres, ce sont lesquels ? Alors, les plus courantes, ce sont les boucles. Largement. Hein, ouais. Largement, oui, c'est 60% de la population. Alors, ce sont des chiffres qui viennent de SAGEM, donc c'est vraiment des pourcentages mondiaux. Hein, parce que SAGEM était leader mondial de la biométrie. Donc, on faisait voter les gens en prenant leurs empreintes digitales dans le monde. Mmh. Comme ça, même quand ils étaient analphabètes, ils pouvaient être identifiés. Ensuite, 4 fois moins la spirale, 15% de la population mondiale. En revanche, 60% des dirigeants et entrepreneurs ont des spirales. Ce qui montre bien que la spirale pousse à entreprendre et à créer son autonomie. Puis ensuite, vous avez la double boucle, 10% seulement.
La double boucle, c'est comme une boucle dans un sens, une boucle dans l'autre. Vous voyez ces sièges qui ont la forme d'un S, où on est assis l'un en face de l'autre. C'est joli d'ailleurs, une double boucle. Oui, hein? c'est très joli. Ouais. Et puis ensuite l'ellipse, 10%. Et puis pour finir, l'empreinte la plus rare au monde, l'arche, 5% de la population mondiale. Et là, on peut faire cocorico parce que les Français, c'est 9%. Et si on a des arches, on a un sens critique très développé. Et vous savez comme moi que les Français sont réputés pour avoir un sens critique extrêmement développé. Avant tout. Vous avez déjà essayé sur les Algériens, les Marocains, les Tunisiens ? Ah, sur les Tunisiens, oui, j'en reviens. Et donc, ceux qui comprennent le mieux la culture française, ben justement, ont plus d'arches que les autres. D'accord. Poussez vos investigations, vous reviendrez avec une autre... On va vous envoyer en Algérie et au Maroc, Jean, pour que vous poussiez vos investigations. Alors, dans le domaine sentimental, ça fonctionne, votre méthode ou pas ? Ah, absolument. Et je dirais même que vous connaissez le fameux dicton « L'amour est aveugle et le mariage vous rend la vue ». Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'inconscience dans le choix de se marier, si je puis dire, et puis par la suite, on retrouve les yeux en face des trous et on voit la réalité. Et bien là, on peut remplacer « le mariage vous rend la vue » par « les mains vous rendent la vue ». Parce que si vous savez analyser les mains de la personne que vous aimez, vous savez ce que vous ne pourrez jamais leur reprocher, parce que c'est dans leur nature. Et le grand quiproquo du couple, c'est que les femmes épousent des hommes en espérant les faire changer, et les hommes épousent des femmes en espérant qu'elles ne changeront jamais, y compris physiquement, ce qui est déjà un deuxième leurre. Ce qui fait qu'au bout de 20 ans, la femme qui est allée à beaucoup de conférences sur le développement personnel, sur comment mieux être, etc., et puis l'homme qui dit « mais moi, c'est pas dans le contrat, je suis tel que je suis », au bout de 20 ans, il y a un décalage psychologique tel que 80% des divorces sont demandés par les femmes. Posez-vous la question. C'est parce que les hommes ne veulent pas changer et que les femmes veulent les faire changer. Donc, grâce à la manutypologie, vous pouvez savoir ce qui non seulement ne changera pas, mais ne va faire que s'accroître. J'allais dire s'aggraver, mais en tout cas s'accroître. Parce que si vous êtes par nature prudent, vous serez de plus en plus prudent et moins porté à prendre d'aventure. Mais si vous êtes par nature aventurier, votre côté aventurier ne va faire que s'accroître. Et donc finalement, ce que vous devez retenir, c'est que quand les gens disent « Ah, mais plus ça va, plus tu ressembles à tes parents », oui, parce que plus ça va, plus on ressemble à ses gènes. Et donc le poids des gènes est proportionnel à l'âge. Et donc croire que les gens âgés retombent en enfance, c'est faux. Simplement, quand vous avez 5 ans, vous avez 5% d'innés. 50 ans, 50% d'innés. Et 100 ans, 100%. Je vous donne un exemple. L'arrière-grand-mère de mes enfants, l'arrière-grand-mère maternelle, que j'ai connue, qui est morte à 105 ans, n'a pas dit un seul gros mot de sa vie jusqu'à 100 ans. Et à partir de 100 ans, elle s'est mise à dire des gros mots. Et le jour où elle m'a accueilli en disant « Jean, je t'emmerde », j'ai failli avoir une syncope. Donc, vous voyez bien que, en fait, plus on prend de l'âge, plus le vernis de l'éducation et de l'expérience est balayé par la nature. On est sans filtre. Plus on vieillit, plus on dit ce qu'on pense. Exactement. Donc, c'est pas la vérité sort de la bouche des enfants. Non, c'est la vérité sort de la bouche des personnes. C'est une horreur, hein, mais c'est vrai que c'est vrai. Voilà. Bon, c'est vrai que les enfants sont cachés aussi, mais pour d'autres raisons. Ils sont un peu sans filtre, mais tant mieux. Mais quelle est la différence des deux raisons ? Les enfants, ils sont cachés pourquoi alors ? Eh bien, parce qu'ils sont naturels, parce que l'éducation n'a pas encore formaté leur vision, et qu'en plus, il n'y a pas de côté malveillant dans leur manière d'être. Qu'est-ce que nos mains, parce que vous dites finalement que nos mains disent tout de nous, mais qu'est-ce que nos mains disent de nous de surprenant qu'on pourrait vouloir cacher, par exemple ? Eh bien, par exemple... Ouais. Que y a des personnes qui s'étonnent que leurs amis ne veuillent pas les voir tout le temps. Alors vous rencontrez quelqu'un, dans une relation amicale, puis comme vous l'appréciez beaucoup, vous voulez le voir beaucoup. Puis la personne, vous rendez compte que plus vous essayez de la voir, plus elle crée de distance. Puis finalement, vous rendez compte que les personnes qui ont des arches sont sur le plan amical fidèles et distantes. Et elles sont d'autant plus fidèles qu'elles sont distantes. Donc, du coup, de ce fait-là,
si vous n'expliquez pas aux autres que votre nature fait que vous appréciez les autres quand ils sont pas envahissants, eh ben ça va créer un clash. Vous comprenez ? Non, parce qu'il faut changer le mot. Faut enlever le mot envahissant. Bah oui, mais parce qu'il est un peu c'est connoté. Non, mais quelqu'un qui veut vous voir tous les jours, à un moment donné, vous dites vous êtes en overdose. Voilà, tu sais, c'est pas la quantité qui fait la qualité. Oui, mais non, oui, oui. Non, j'en aurais eu, non. Oui, 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 tout à fait. Bon, autre exemple. On va faire du quality time et pas du quantity time. Autre exemple, vous connaissez des gens qui ont des spirales et qui veulent tout maîtriser. Et alors, vous partez en voyage avec ces personnes-là parce que vous les appréciez. Puis en fait, elles vous disent, on a dit qu'on allait là, ben on ne change pas le plan, même s'il pleut à droite et qu'on voulait aller à gauche, etc. Bon. Et donc, parfois, vous vous rendez compte que des personnes qui ont des spirales sont très rigoureuses, mais parfois un peu trop. Donc, vous voyez, mais il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de bonne empreinte. C'est un outil de compréhension voilà. Qui peut nous aider dans la prise de décision, c'est ça que ça veut dire. Exactement. On mettra les liens pour vous contacter, Jean, sous la vidéo de l'émission, puisque l'émission est filmée, pour tous ceux qui voudraient avoir des renseignements. D'ailleurs, vous pourrez gagner le livre dédicacé par Jean de Bonny. Qu'est-ce que vous demandez à ceux qui vont vouloir participer à l'opération, Jean ? Eh bien, une fois que les personnes auront acquis le livre, on leur envoie un mail en leur expliquant quel type de photos ils doivent faire avec leurs mains. Ah, en contrepartie, vous devez envoyer une photo avec vos mains. Oui, pour que la dédicace soit totalement personnalisée. Et comme je suis un perfectionniste, j'ai une double boucle sur le pouce droit, eh bien, je ne sais pas faire des dédicaces de 3 lignes, je fais des dédicaces de 3 pages. Voilà, donc ils auront une dédicace vraiment unique au monde. Bien, Jean de Bonny, première émission sur Beurre FM. Si vous avez des commentaires à faire sur ce que Jean a dit, vous pourrez les laisser sous la vidéo. Votre livre s'appelle « Vos mains disent tout de vous ». Vous réécouterez donc l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci Philippe. Jean de Bonny, passez une très belle journée santé sur Beurre FM.